se fait entendre démocratiquement, c'est pas qu'on rejoue le match, mais on dit toute la colère sociale qui s'est exprimée pendant l'élection présidentielle. Ce pays qu'on a vu dégager en quelque sorte tous ceux qui étaient responsables des politiques précédentes, il est toujours là, debout, et il est en marche en quelque sorte, mais en marche contre, en marche, pour dire on veut autre chose. Donc il serait intelligent de la part d'Emmanuel Macron d'entendre ça, d'arrêter de s'obstiner, d'arrêter de vouloir donner l'image d'une espèce de Margaret Thatcher new look là, qui veut coûte que coûte affronter, voilà.